Certains assistants du palais ont estimé que Meghan n'avait jamais voulu rester au sein du cabinet, a déclaré l'auteur royal Valentine Law à Express. Les assistants du palais ont estimé que Meghan Markle avait soif de rejet au sein de l'establishment royal depuis le début, selon l'auteur Valentine Law. S'adressant exclusivement à Express, Law a révélé que certains membres du personnel royal estimaient que la duchesse de Sussex s'était reculée dans un coin pour être rejetée par l'establishment royal parce qu'elle n'avait jamais voulu rester. C'est un point de vue controversé, mais c'est un point de vue que certaines personnes là-bas, au palais, ont ressenti, a déclaré Law à Express après avoir décrit la conviction qu'elle avait soif de rejet. Law vient de sortir courtier. Intrigue, Ambition and the Power Players Behind the House of Windsor, un aperçu explosif des rouages de l'institution royale. L'auteur royal pense que des attentes irréalistes auraient pu être au cœur de la lutte de Meghan. C'était une combinaison de ces attentes irréalistes sur ce que serait la vie royale et de l'incapacité du palais à gérer ces attentes irréalistes, a-t-il suggéré. Law affirme que Harry était mécontent de la vie royale bien avant l'arrivée de Meghan et qu'elle n'a fait qu'augmenter ses sentiments. La méfiance du duc envers la maison, son obsession pour les médias, son désir de créer un impact et de faire quelque chose d'utile avant que les gens ne deviennent d'âge moyen et ennuyeux était déjà présent, a affirmé l'auteur royal. Law a précédemment offert sa sympathie aux Sussex pour leur départ acrimonieux des rôles de membres de la famille royale, suggérant que Buckingham Palace a géré la situation maladroitement. Dans une précédente interview avec Express, l'auteur royal a déclaré : « Le palais l'a mal géré. Harry et Meghan étaient clairement mécontents. »